Allez, bon, je suis avec un petit GP. J'espère qu'il va faire des miracles. Je vais prendre Amocéan. Trop fort sur Soraka, du coup. Ça me permet de me régénérer encore plus. Vous récupérez 10 points de mana toutes les 5 secondes. Et si vous pouvez pas récupérer de mana, vous récupérez 0,6 PV à la place. Ouais, c'est vraiment weak, hein, par contre. Hein. Ah, ils ont le lien qui fait des dégâts, non? C'est ça? Là, oui. Ah, te prends pas le sweet spot, s'il te plaît. Ok, j'en ai eu un. Je vais le mettre là. Hop. On le fume. On y va. Allez, meurs. Bien joué. Bien joué, petit GP. Très bien, très bien, très bien. Alors, niveau CC, on est comment dans le lobby? Parce que là, il y a des full CC, CC, ouais, mais du coup, ça, je peux pas trop. AP, CC, ouais. Non, je pense que je vais partir sur les buffs de lucidité. Je vais rester du côté de GP parce que j'ai pas envie de me faire go en full solo. Je suis plutôt squishy. Pourquoi ils veulent pas se battre? Ok, j'accélère. Dans le caca, hein. Ok, il est mort. Je devrais l'out-sustain, je pense. Non, non, tu es silence, frère. Tu es silence. Tu la fermes. Je tourne autour de lui. Tu es silence. Tu meurs. Voilà. Oui, ok. Très bien, très bien. Bon, ça peut aller. En même temps, GP en early c'est plutôt faible aussi, donc. Cœur de dragon. Je crois que ça c'est vraiment l'augment nul tiers. J'ai envie de tester cœur de dragon. Ça c'est vraiment le truc éclaté au sol, mais j'ai bien envie de ça. Toutes les manches, vous obtenez une âme de dragon aléatoire. Vous obtenez des statistiques qui augmentent selon le nombre d'âmes de dragon que vous possédez. Parce qu'il me semble que j'avais déjà pris. Oui, âme des océans, c'est ça. J'ai déjà l'âme du Drake Océan. Ok. Ok. Oui monsieur. Hop là. Je galère très très fort, hein. Je me fais full CC. Pourquoi il va dans la zone? Non, non mais le GP est très suspect, hein. Là plus les rounds avancent, plus je commence à me poser des questions quand même, hein. Là on va être contre Twitch, Maokai, je sais pas quoi. Bah je vais prendre... Non je vais gamble. Allez. Full gambling. Rédemption. En vrai, rédemption Soraka, c'est toujours trop fort. Hein. Allez, on va heal 10 milliards d'HP. C'est Tipar. Alors, faut faire attention parce qu'il y a le Twitch en fufu. Là. Bon, est-ce qu'on va les fight un jour ou on attend qu'il neige? Ok. Hop là, petite rédemption. Je soigne, ok, c'est parfait.
Voilà, je l'envoie en dehors de la zone. Meurs. Let's go. Ok, ça commence à cliquer, ça commence à cliquer. Enfin, moi, je clique, en tout cas. Oh, âme infernale. Mais attendez, ça va trop bien avec mon âme de dragon dégueulasse, ça. Je suis obligé de prendre. Parce que là, du coup, j'ai déjà 3 âmes. On est à la manche 5. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Hein. Encore 2 âmes, et c'est bon. Il y a un petit Elder qui pop, qui pop derrière. Ok, voilà, ça vient. Ne bouge pas, frère. Surtout, surtout, ne bouge pas. Voilà. Voilà, surtout, continue à ne pas bouger. Continue à lancer ton petit laser, là. Yes! Bien joué, GP. J'ai jamais douté, hein, évidemment. Pourquoi c'est après? Et on va gamble. Oh, le downcore. En vrai, ça peut être bien. Encensoir ardent, c'est fort aussi avec GP. Là, je gagne en plus de la vitesse de déplacement. Et moi, j'ai besoin de me déplacer quand même relativement vite. Après, là, du coup, je peux avoir aussi de lentilles grâce à ça. Il y a Nasus qui sustain, il y a Renek qui sustain. Graves, machin. Ouais, en vrai, côté épineuse. Et je vais aller chercher des petites stats. Résistance magique, on s'en fiche. Oh, efficacité, soins et bouclier. Allez. Allez, on prend ça. Ils vont se planquer 40 ans ou... Ok. Merci madame, elle m'a envoyé de l'autre côté. On va gagner je pense. Ok, nice, bien joué, bien joué. I believe, I believe. Allez GP. Oh là là, mais on régène tellement. C'est un délire par contre. Oh, efficacité soit bouclier. Ou accélération de compétence. Il a combien mon Q? Ah, je peux pas le voir hein, quand c'est affiché comme ça. Non mais je prends le 9%, c'est le maximum. En vrai, trop trop fort hein. Nami Brand, ah il va déglinguer. En plus elle a ça. Ils sont rejoints là. Nice, je l'ai touché. Ah, ça c'est beau. Ok, je l'ai retouché, c'est fabuleux. Je peux rien faire, il y a trop de CC. Tueur de géants, on s'en fiche. Centre de l'univers, ça peut être pas mal aussi. Est-ce que j'ai pas un truc plus adapté à mon kit de sort, par exemple? Toucher les ennemis avec des compétences provoque une explosion qui inflige des dégâts magiques entre vous et les points d'impact. En vrai ça c'est bien hein, parce que mon Q je l'ai vachement souvent hein. Bon, moi j'ai carry un peu l'early game, c'est à lui de carry le late hein. Chacun son truc frère. Ah oui d'accord. Je vois. Ah oui je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ils nous ont run down. Ah ouais non mais Gale Force. Sa mère. Stay near me. Parce que c'est bien de courir des ennemis. Sauf que si on reste là contre eux, en fait on peut. Le Aatrox il est super squishy, on aurait pu le déglinguer. Parce qu'il est ultra lourd, en fait il avait déjà mis tout son burst, fallait juste continuer à le bolosser et en fait juste on gagnait je pense. Qu'est-ce que je peux avoir? Écho d'Elia, blesser un champion, octroie un effet jusqu'à 3, lancer un soin en bouclier, ça c'est pas mal. En vrai les deux sont fine ici, mais ouais on va affronter Aurelion seul je sais pas quoi. Je pense que je vais prendre Écho d'Elia parce que j'ai besoin des HP supplémentaires de l'item en fait. Hop là, je vais prendre deux stats random.
dit, bien. Il est stun. Il va prendre la... Non, il prend pas la lanterne. Ok. Bon, je m'étais mis en position au cas où, mais du coup GP l'a terminé, c'est bien. Well played. Petit smiley qui sourit, même s'il est en minuscule maintenant. Je pense que je vais prendre les PV. PV important pour que je puisse survivre à moult opérations. Niveau des stats, oh, vitesse de déplacement, ça peut être bien. Encore de l'âme du vampirisme. Bah écoutez, je vais prendre. Parce que du coup, je suis à 13% efficacité de soins et bouclier, 20% de l'âme du vampirisme. Ouais, Renek et Galio, c'est eux qui nous avaient déglingué à... Je sens qu'ils vont me rush, moi. Donc, faudrait jouer à... Zut. Oh nice, c'est bon. J'ai oublié de me décaler, mais vu qu'il y avait le 7 en face de nous, ça s'est bien passé. J'ai pas trop parlé là, j'essaie de me focus sur maintenir GP en vie, c'était compliqué. Ah bah en vrai, genre quand même 260 d'armure, hein. Voilà, j'en parlerai dans mon prochain livre. Item support, plus 16% d'efficacité des soins et boucliers pour les immobilisations. En vrai, je peux cancel le saut de Nasus. Par contre, faut que je pense à appuyer dessus, j'ai déjà la rédemption. Bon, allez. Ah, oh mais j'ai les 6 âmes! J'ai l'Elder! J'avais pas vu. Eh oui! Eh oui, j'ai l'Elder, frère! Mort les gars, c'est incroyable. Ah. OMG, c'est trop drôle. Oh, du coup, oh ouais, mais c'est pour ça que j'ai autant d'HP maintenant. Ouais. Résistance magique, armure. Ok, en vrai, je suis plutôt stonks hein, avec ma Soraka là. Toujours plus d'omnivampirisme. Je suis pas sûr. On reroll. Résistance magique. En plus, on tombe contre Nami et machin chose là. Allez. Oh, mais par contre, s'il part de l'autre côté, c'est pas cool. Hein. Oui, oui. Vas-y, je te fous le soigne. Tiens, prends-toi ça. Non, faut que tu restes en vie, frère. Faut que tu restes en vie. Reste en vie. Reste en vie. Elder Diff. Ah, c'est trop. Incroyable. En vrai, je pense que mes bots c'est trop important, faut que je les garde. Je vais prendre full stats, je pense. C'est trop pour moi. Vitesse de déplacement, c'est y part. Je reprends des stats. À 200%, bah allez, on prend ça. Et je vais prendre jus de puissance, jus de vitalité. Oh, non mais regardez-moi toutes ces améliorations en bas. C'est scandaleux. Je l'ai. Oh l'Elder Diff. Elder Diff. C'était excellent. Mais vous savez que j'avais complètement oublié. Vous savez quand même que j'avais complètement oublié que j'avais le truc des dragons. Si on gagne là-dessus, c'est uniquement parce que j'ai eu les âmes bien plus tôt. Hein. Sinon, l'item est vraiment trop à chier. Mais là, bah, GG. Hein.